Merci Obèse d'avoir craché, bon, en attendant que ça revient, bah je le bouffe à un bueno. Je relance. Bon, en attendant, moi je vais bouffer un bueno. Parce que c'est bueno, les bueno. Enfin, pourtant, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de crash-co. De crash-co comme ça, ça faisait longtemps. Vous me dites quand c'est revenu hein, sur Twitch et sur YouTube, hein, que je continue le combat. Mais j'ai vu le frère Révi et le film me botte bien. Le film... Non. Pas d'accord, Steven. C'est des mecs qui, comme moi quand ils étaient petits, ils ont vu Pokémon, ils sont devenus grands. Ils se sont dit si on faisait enfin un Pokémon pour adultes. Et pas un Pokémon pour gosses. C'est ça, Pokémon Détective Pikachu. T'as un film Pokémon, mais pour adultes. Et ça fait du bien. La technique Pika Sprint, c'est un mec qui me l'a donné dans un centre Pokémon. Et elle co-critique à coup sûr. Bah rien que le mec qui fait qui joue Pikachu, c'est Deadpool. C'est Deadpool le mec qui fait Pikachu. S'il a autant de liberté niveau grossièreté de conneries à dire que dans ses films Deadpool, on va se fendre la gueule, mais à un point. Bon, il me faut des caninos. Hein. Allez, je peux me faire un gros parler d'eux en même temps. Oh putain! Et mes combats duo! Et mes combats duo, ils sont où là? Putain! Ah, il faut réviser votre vision, les gars! Ah! Ça la mèche, ça la mèche! Sauf que le mien a plus de vie! C'est pour ça que je juge pas le Pokémon sans avoir vu le film. Je vous dirai ce qu'il en est quand je verrai le film. Tout.
Qu'est-ce que tu vas me sortir? Un Chitiflore. Est-ce que j'ai assez de points de vie pour le trade avec Salamèche? Est-ce que j'ai assez de points de vie pour le trade? Ah, on va se redonner une potion, hein. On va se redonner une potion au cas où, quand même, hein. Ouais, j'ai bien fait. Il a fait acide. Oui, il fait mal. Avec acide. Il avait pas plutôt une technique à la con, genre... Voilà, ligotage, voilà. C'est très bien, ligotage. Ça fait moins mal. Nocturne, c'est non. Nocturne, c'est nombre. Pourquoi tu me parles de LOL tout d'un coup? Ah bah voilà. Oula, un Caninos. Mais ils sont rares apparemment. Juste la capture, c'est un peu chiant, je trouve. Bélier. Gardez l'ancienne capacité, Bélier a un contre-coup, donc... Si je veux avoir un arcane gratuit, il faut que je capture 5 Caninos. Dégage. Je cherche des Caninos. Peut-il avoir des Caninos? Cherche des Caninos. Ah mais non, mais dégage avec ton psychoquote de merde. Ouais, mais bon. Dans un pot d'un dresseur, je vais pas être méchant, tu quand même, tu blesses, t'affaiblis le Pokémon pour le capturer à la base, hein. J'ai déjà un Roucoups, donc, Osef. Les Arcanins sont une espèce rare. Les Caninos, du moins. Caninos, il m'en faut encore deux. Oui, un Caninos. Oui, viens là, Caninos. Il m'en faut encore deux, et j'ai un Arcanin gratuit. Vous comprenez, c'est pas le vrai Pokémon RPG qu'on attend, ça. C'est juste un truc pour faire attendre jusqu'au vrai Pokémon RPG. Ça c'est juste un jeu pour essayer de ramener les 10 000, les plus de 10 millions de joueurs de Pokémon Go sur un licence. Oui, je peux monter, mais il faut que ça soit assez gros. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ce jeu sert juste à nous faire patienter jusqu'au prochain vrai Pokémon RPG qu'on attend tous. Et essayer de ramener toute la communauté de Pokémon Go pour vendre plein de consoles et plein de jeux. Ça sert juste à ça. Et le gameplay est dans les combats. Allez, encore un et c'est bon, j'aurai un Arcanin gratuit. Et je pourrais vous montrer en montant sur l'Arcana. Je me déplacerai beaucoup plus vite. Je peux monter sur un Onyx, mais le Onyx il va un peu à deux à l'heure et puis en plus il est faible. Oui, un Caninos. Viens là.
Ok, pourquoi ma Pokéball est partie de l'autre côté? Alors, oui. Je déteste la capture comme ça de Pokémon. Hein. Il y a des fois, je sais pas pourquoi, ça part dans tous les sens. Hein. Alors que j'ai rien demandé. c'est pour ça que je capture pas plus de Pokémon que ça. J'ai envie de te dire que X, Soleil et Lune, j'ai envie de te dire si ton ici, plus de slave. Ah cool, il évolue. Il y a plus de slave CS. J'ai envie de te dire que... Voilà. D'un mystère kawaii, on passe à un Ortide moche. D'un truc kawaii, on passe à un truc moche. J'ai juste du terre, c'est gratuit car ce petit fou embêtait tout le monde. Il va falloir rebondir ça pour le mettre dans le droit chemin. Si ça t'intéresse, je me rendrai quand tu auras au moins 60 Pokémon, ok? Ouais, faut que j'ai capturé 60 Pokémon différents. Et pas que j'ai capturé 60 Pokémon, c'est 60 Pokémon différents. Si tu connais un Pokémon, passe donc à la maison. Je la loue pour les gens qui puissent réunir et échanger des informations. Entraîner les Pokémon et les Superbox sont bien plus efficaces que Pokémon, mais c'est pas non plus la réussite assurée, hein. Faut tenter sa chance. Alors le truc pour un simple Pokémon, c'est de bien viser au centre du cercle quand il est tout petit. Pareil que c'est imparable. Quand le cercle est vert, c'est dire que Pokémon est facile à attraper, ok? Quand il est jaune, c'est moyennement facile, et ici le rouge, carrément difficile. J'ai donné une banane à un Pokémon qui faisait son caïd, ça l'a calmé d'un coup. C'est bien plus facile à attraper après ça, vu qu'il a arrêté de gigoter. La force des Pokémon peut varier d'un individu à l'autre, même si c'est du même niveau. Il suffit de leur donner des bonbons aux Pokémon les plus faibles pour les renforcer. Alors, les Lionel, sont venus ses baskets, ça te dirait un petit échange de Rakayu? Rakayu d'Alola, il est quoi? La version d'Alola, Rakayu, il est quel type? C'est vrai qu'un Pokémon de haut niveau est très puissant, mais ça veut pas dire qu'il résiste à tous les types. Qu'un incite, ça n'existe pas. Mon Pokémon s'est rétabli lui-même de son empoisonnement. Il ne voulait pas que je m'inquiète, il doit vraiment beaucoup m'aimer. Sol électrique? Ouais, bah je caille Sol Roche alors. Hein. Je garde mon Sol Roche, hein. J'ai déjà un type électrique. Hein, ça suffit. Ah oui, mais sauf que mon Rakayu, je pourrais pas le faire évoluer en Grolem. À moins que les échanges, je sais pas où. As-tu vu le Cyanoport? Oui, je l'ai vu. Je construis un immeuble sur mon terrain à mon Pokémon Dame le Sol pour faire les fondations. Vous savez que les tas de morts étaient nés dans les Boomarines? Je peux dire que j'ai refriché deux fois avant d'aller en Talasso. Ryu, qu'est-ce que tu fais là? D'ailleurs, Pokémon Azo, d'ailleurs, tu vais essayer d'attraper un bienfait avec l'aide de Julio. Ouais, dans ce cas, on peut le faire, mais un type roche électrique, un type sol électrique, ça m'intéresse pas des masses, quoi. Et toi, Osu, dis-moi tout, tu préfères Keklinos, le Pokémon Show, ou mieux le Pokémon Shadegu? Géninos, n'oublie la question de réponse, c'est clair comme un Shigeru au milieu de la figure. Écoute bien, hein, vaillant dresseux, si tu as rien qui a tressé à Kenosh, je ferai un Pokémon revertant, requête, tu pourras monter. Non, t'as mis en biais, on dirait bien que t'as qu'à tressé un Pokémon chaud. C'est chose première, chose eue, reçois ce Pokémon. Ah non, c'est un Persian que j'obtiens. Ah putain, c'est dans la version Evoli où t'obtiens un Arcanin.
Ouais, après ça, j'aurai un problème. Ah oui, en fait, si tu captures 5 Mieus dans la version évolue, t'as un Arcanin. Et si tu captures 5 Kalinos, t'as un Persian. Ok. Si tu demandais comment évolue Mieus, Pokémon Shagou, tu as ta réponse. De Persian, le Caspolder, on a beau être habitué, c'est toujours une claque. Hein, tu vois pourquoi j'ai fait courir après Pokémon Show? C'est une saison. Je t'ai envoyé au milieu des Kalinos pour essayer de retourner ton Kimno, mais tu as fait preuve d'une loyauté sans faille envers Mieus. Ah, ah, ah. Merde, j'aurais préféré avoir un Kalinos. Un Arcanin, du moins. Ouais, je me suis fait douiller. Rien que certains Pokémon préfèrent te porter plutôt que te suivre. Ça va être trop cool un Pokémon qui peut transporter sur l'eau ou dans les airs. Ouais, je me suis fait douiller. Ah oui, clairement, là, je me suis fait douiller, là. Mon Pikachu est le plus beau de tous les Pikachu. Je suis président de Falcon Pokémon, j'ai plus de 100 Pokémon, je suis hyper taillé quand on parle de Pokémon. Alors tu es venu pour ça, pour tout savoir sur mon petit Pokémon chouchou? Oui. Je t'enverrai un Destructoid. Bon alors écoute, mon préféré c'est Galopa, il est mignon, adorable, intelligent, élégant, fascinant, agile, brillant, gracieux. S'il est incroyable, enfin bref j'adore, c'est mon préféré de toutes les airs. Et même que, il fait patacloc quand il court, et quand je fais des câlins et autres, gouzi gouzi, et ben... Et puis oups, mais regarde, j'ai pas arrêté de faire une scène avec toi en tout cas, tiens c'est pour toi. Vous recevez une tenue Pikachu? Bon, j'ai. Hein? On garde toujours une place spéciale dans son cœur de son premier quelqu'un, pas vrai? Du coup, je t'offre un joli costume pour que tu puisses ressembler au tien. Pour l'enfer, c'est simple. Oh! Oh! Salut Shiyu. Ah là, j'ai la même couleur que mon Pokémon. Voilà. Quand à présent on commence à parler de Pokémon, on n'arrête plus. Alors tu vois, ça se passe bien avec Pika HD, chouchou bien te porter, elle va bien me voir comment on serait devenus de meilleurs amis au monde. Mon terre est vraiment trop bien, il se squish quand je lui fais un câlin. Bon, sinon, j'ai besoin d'aide pour trouver des noms. Alors, j'ai besoin d'aide pour trouver des noms sur tous les Pokémon qui ont pas de surnom. Donc, j'ai besoin d'aide pour trouver un nom pour Salamèche, Rakium, Magikarp et Ortide. Si vous donnez des noms et qui me plaît, je les renommerai comme vous me citez. Si vous donnez de nom. Voilà, si vous avez des pseudos... bien donné... Vendre. Les trucs ça j'utilise jamais. Oh, j'ai pas grand chose à acheter. Ce que tu vois là ne sert pas à reposer ces gens, mais à marrer les bateaux. Ouais, bientôt tu vas apprendre que l'eau s'amouille. On recouvre la portée nuit jusqu'à Safrania au nord. Et j'aimerais tellement partir croisière sur ce soleil et me faire des amis venus du monde entier. Bon, déjà, on va aller latter la gueule à l'arène. Hein. Et après, on ira visiter l'océan. Salut championne en herbe.
L'arène de Carmen sur mer est juste ici. Tu veux atteindre l'entrée, il te faudra trancher le tronc de certains muscles qui t'empêchent actuellement d'avancer. Ah oui, non, c'est vrai qu'on a coupe à l'intérieur. Par contre, je sais pas comment t'y prendre. Il semble que le capitaine de Seine également bûcheron à 6 heures perdues. Ah, j'ai oublié ce détail. Ah oui, c'est vrai que la CS, elle est... Bon, bah, go sur l'océan. Je suis passé au centre Pokémon. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu racontes de beau? Le Seine, il n'y a pas que Bou du X-13. Une fois par an, il fait escale au port de Carmen-sur-Mer. Le Seine, vous souhaite la bienvenue. Avant de monter, il faut toutefois me montrer votre page jeune mousse. Vous montez votre passe-bateau. Parfait, bienvenue à bord. Oh, félicitations, vous êtes notre 100e passager aujourd'hui. Tenez un petit cadeau, profitez avec ceci. Vous allez pouvoir crâner au bord de la piscine. Ouais, la tenue de marin, on va voir ce que ça donne. Ouais, non... Regardez le costume Pikachu, hein. Non, mais le jeu est beau. Les musiques HD, les graphismes HD, c'est beau. Il y a juste la capture Pokémon qui m'emmerde un peu. Ah, Bola, te voilà. Merci encore pour le pass. Le bateau est super grand et il y a plein de dresseurs, je suis fan. Salut, non, ça roule. Je pensais pas vous trouver ici. Salut, Blue. Tu prends par la croisière. Moi ? Et puis quoi encore ? Non, j'étais là pour une petite récession entre dresseur VIP et tout ça, tu vois le genre. Non, c'est Blue. Régis, c'est le nom qu'il a dans la version anime. Mais c'est comme dans la version... jaune. Normalement, le perso principal s'appelle Red. Et le rival s'appelle Blue. Et là, ils ont respecté ça. Et c'est la fin, hein. C'est fini, Jérôme. J'ai récupéré plein de nourriture au buffet d'air. Allez, je partage, ouais, je suis comme ça, grand prince. Voilà, je t'en prie. En fait, on parlait d'un truc avec le dresseur pendant la fête. La Tenor 4, ça vous dit quelque chose? Ouais, si on échange, j'ai leur compte à quelques sbires. J'ai pas choisi son nom, hein. C'est le jeu qui donne automatiquement le nom, hein. C'est pas moi qui donnais le nom à Blue, c'est le jeu, hein. J'ai pu nommer que mon rival. T'as pas froid aux yeux. En tout cas, c'est vraiment une sale organisation. Ils utilisent Pokémon pour se faire du bif. Perso, je mène l'enquête de mon côté. Fais gaffe si jamais vous devez vous y frotter. Après tant de temps passé en mer, la plupart des gens à bord finissent par s'ennuyer. Il est donc fort possible qu'on te provoque en duel histoire de passer le temps. Mais c'est ce que je veux, vous racketter. T'as sérieux, Chan? J'ai faim, je vais à Midfight tout de suite. Va te faire foutre. Je voulais un duel, moi. Je voulais qu'on se frite sur la gueule. Ah, une croisière, j'adore ce luxe. Mais toujours avec mon gros doudou. Puis j'aime bien, c'est que les Pokémon sont à l'échelle réelle, en fait. Mais y a des fois, tu vois des Pokémon, tu les voyais petits. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont gros, en fait. Ah bah voilà, des duels! Allons nous friter à coup de technique spéciale avec lequel on pourrait détruire le monde. Bon, je le génocide avec Pikachu ou j'y vais avec Rakaillou? Allez, j'y vais avec Rakaillou. J'ai perdu à 90 de précision. Ouais, immense ce grand dodo. C'est pour ça que j'adore aussi là voir les Pokémon, tu vois, à taille à l'échelle réelle. Ça fait bizarre. Et aussi, le jeu est plus qualisé, donc il n'y a plus les talents spéciaux. Il n'y a plus les talents. Ça va un peu pète couille par contre. Bon, au moins, comme ça, quand je rencontre. Quand je rencontre un Magnéti ou un Rakaillou, je m'en fous si je one-shot, bah dans tous les cas je one-shotterai quoi. Il résistera pas avec un HP quoi.
Bah justement, pourquoi crois-tu que j'ai pris Magikarp? Pourquoi crois-tu que j'ai pris Magikarp? Pourquoi crois-tu que j'ai pris Magikarp? Dès qu'il est niveau 18, j'utilise mes deux super bonbons pour le faire évoluer, hein. Je garde mes super bonbons pour Magikarp en moi. Ah bah non, si t'envoies un Pikachu, je continue avec lui, hein. Ah merde! Bon, ça va, il résiste bien. Ah! Fait mal au cul, double pied. Les gens, c'est qu'on voit plus la level stat de tes Pokémon, quoi. Ça, c'est un peu chiant. Non, c'est pas ce que je voulais. Oh, le double pied m'a fait peur, quand même. Hein. Je dois bien avouer. J'aime le Pokémon, et toi? Ah, moi, je les déteste. Hein. Moi, je les maltraite. Je fais des combats illégaux pour gagner de l'argent. Un féroce singe, hein. Ah, vas-y, papayon. Combien? 65 40. One shot. Allez, au revoir. Waouh, un antipara, waouh, quel drop. Je vais encore la merde du monde avec mes enfants. Je fais partie de la petite internationale, je serais très attiré mon 4, mais chut. Ouais, bah, j'ai déjà battu la Team Rocket, mec. Bon, pas encore, mais. Oh, je suis sérieux sur le bateau, je me ferai jamais de vous servir. Ah, l'air du grand large. Allez, s'en va, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Pas comme dans tous les Pokémon, hein. Le Luxe de Battle accueille des tresseurs du monde entier. Dans chaque port, nous faisons une fête en leur honneur. On s'en va vers d'autres cieux. Bon, on va continuer à visiter première terre. Non, j'ai pas oublié des ports, mais je regardais où ça menait. Je regardais juste où ça menait. J'ai trop de haut, j'en ai des vertiges. Oh, une Omosrail type japonaise. Pourquoi moi, je suis tout le temps le corvée d'épluchage. Ok, d'accord, j'ai trouvé un petit champi sans le vouloir. Pourquoi pas. Le cahier en fait, c'est parce que je dois aller dormir à manger. Niveau Pokémon Tracer, on fait pas mieux que lui. Même pas fait exprès. J'en ai marre d'éplucher. Il se pique les yeux en plus. Je sais qui te voilà le menu. Des sushis de tourbillon bien frais. Pour ceux qui ne sont pas contents, c'est la même chose. La Team Rocket, bon alors si jamais il revient de ta Kigi, n'hésite pas à me plaire, je viendrai t'aider. Ouais, j'ai pas besoin de ta Donovan. Hein. Ferme l'âge, non? Tu veux te reposer à un moment? Ok, bah j'ai trouvé le soin.
J'ai trouvé le soin, c'est bon. J'ai trouvé c'est quelle porte le soin. J'ai trouvé où est le soin. Le soin gratuit. Tu oses entrer ici, mais quel culot! Bah, nous sommes dans un RPG, hein. Entrer chez les gens, c'est normal dans les RPG. Mais aïe! Ah cool, on va avoir une petite évolution. Ah si, la cheminée transforme un sushi là, oui. Alors la destruction. Elle est un peu plus menaçante maintenant que tu ressembles à ça. Exalté, quand il affronte des adversaires puissants Pokémon, il y a parfois craché des flammes bleutées. Voilà, c'est un peu mieux, hein. Ah là, j'ai l'air de quelque chose avec un Reptincelle. Ah là, c'est mieux. Abrux, c'est de partir sur une un magnifique power, de laisser toute la journée au lit pépère. Allez, étrangère, parlons un peu, tous les Pokémon viennent de la mer. Je veux dire, si tu me sors un Magikarp. Orchide. Bah non, on va pas changer de Pokémon, hein. Ouais, file-moi ton fric, toujours plus de fric. Le fric, c'est la vie. En même temps, sans argent, tu peux pas vivre, hein. On a aussi des Pokémon, nous, les marins. Non, ah bon? En même temps, tout le monde a des Pokémon.
principe du monde de Pokémon. Psycho-quack. Bon là on va pas envoyer mon type plante hein. Vu qu'il est poison et que Psycho-quack est légèrement des petits tic-tic-tic-ti. On va plutôt envoyer Pika-Pika. Et on va te one-shot à un grand coup de Pika Sprint qui coup critique à coup sûr. Encore un level pour Magikarp. Oh, enculé la hypnose. De pute. Ah ok d'accord, j'étais réveillé le premier tour. Ok bon bah ça va. Oh lui, il sent le Pokémon type électrique, hein. J'adore les enfants usés comme toi. Alerte pédophile, alerte pédophile. Alerte pédophile. Ah bah ça Magnéti. Il est type acier vu que... Eh ben voilà. La tincelle va se faire un joli petit... Une petite fondue d'acier, hein. Ah, en plus coup critique. Ouais, je l'ai overkill, quoi. Bah non, on va pas changer de Pokémon, hein. Enfin, je tombe sur des Pokémon contre qui, mon sérieux, je peux faire quelque chose. Ah, celui-là. Ah, en plus, je l'ai brûlé. A plein d'items, je me servirai jamais de ma vie, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu racontes sur les marins et les duels? Bah, que tu vas perdre. Voilà ce qu'on raconte, ta défaite. Mon Ramolo, c'est un type si, donc... va ramener Pikachu, hein. Et c'est marrant comment là, beaucoup de Pokémon de type eau sont soit psy ou soit poison. Donc ça veut dire que s'ils sont poison hors type, ils peuvent pas faire grand chose contre. Et s'ils sont psy, ils peuvent aller se prendre des dégâts super efficaces. C'est marrant quand même. On va voir la miasson de tonnerre, j'ai pas encore vu. Thank you.
On voit que les fans de Pokémon n'apprécient pas ce jeu, hein. Je peux comprendre pourquoi les fans n'aiment pas trop ce jeu, hein. Mais bon, mais il est pas mal quand même. Pour tous ceux des nostalgiques de la première génération, en partenariat chez Super, j'espère faire tout bouger et rendre chez sans aucune difficulté. Bah, j'avoue que le mode de capture me rebute un peu, hein. Allons se faire soigner. Et lui va rester toute l'après-midi juste devant l'entrée. C'est le mec, le bateau, il sert à être exploré, hein. Un petit soin, ça fait toujours du bien. Tu me gênes, connard. Mon capitaine est un maître d'armes. Cet essai s'est tranché à une technique qui n'enseigne qu'aux personnes en laquelle il voit du potentiel. Alors normalement la salle du capitaine est censée être sur la droite. Normalement là je vais sur le pont normalement. Si c'est resté comme comme le jeu de base quoi. Normalement là je vais sur le pont. Ouais. Mais laisse-moi emmener mon Pikachu à l'avant du bateau. Dresseur en vue. Dis, t'as le mal de mer? Apparemment, non, je suis pas malade, je suis pas à quatre pattes. Donc apparemment, ça va. Ouh, c'est des Pokémon type eau glace aussi. Qui fait qu'ils ont des techniques aussi super efficaces contre type plante. C'est marrant comment tous les starters de type eau de ce jeu sont là pour emmerder les Pokémon type plante poison, hein. C'est marrant quand même, je trouve. T'as les types au glace, t'as les types au poison pour que mon type soit plus efficace. Oh la vache, t'as abusé. Vas-y, gâche un tour, moi ça ne me dérange pas. Moi, j'ai changé de Pokémon à Machoke, on voyait Papillon. Bon, sinon, les gens n'ont toujours pas d'idées pour Ortide, Magikarp, Reptincelle, et Rakaillou, des pseudos surnoms que je pourrais leur donner. Alors faut bien avouer que j'ai pas d'idée. Et des pseudos, si ça me plaît. Je le prendrai. Je suis le roi du monde. Ah, j'ai le mal de mer. Je prends l'air pour me soulager. Oh, briquer le pont, c'est un travail épuisant. Ah, les seuls types O que je peux affronter sans risque avec mon Orchid, c'est eux.
Dis bien, vu que je capture pas mal de Pokémon, ça va, je suis plus super haut level par rapport à avant. Non, parce qu'en début de jeu, vu que je capturais moins de Pokémon que je voyais, car je les avais pas, ma team était un peu overcheatée. Mais maintenant que je capture plus tant que ça de Pokémon, ça va. Là, je suis plus overcheaté. Ça rend le jeu un peu plus compliqué. Même s'il est pas compliqué des masses. Ultrason, ah oui, Ultrason je prends étant donné que je peux plus faire mon combo pété que j'avais avec mon papillon. La dernière sur Rocheux j'avais un combo ultime parce qu'il avait œil composé qui faisait qu'il augmentait sa précision avec je crois qu'il augmentait sa précision donc avec Poudre de Dodo je pouvais jamais me louper et après je faisais Devoir Rêve. C'était le combo ultime. La fête est finie, nous allons bientôt lever l'encre. C'était le combo ultime. Mais vu qu'il n'y a plus étant. Bah je faisais Poudre de Dodo, l'ennemi dormait, grâce à les composés, je pouvais jamais louper Poudre de Dodo. À moins si on faisait des jets de sable et des brouillards, bien sûr. Salut VF Jungo. Et après, bah vu qu'ils étaient endormis, je faisais des rêves et je pouvais me régénérer. Donc même si le Pokémon était plus rapide que moi, quand je lançais Poudre de Dodo, je prenais des dégâts. Mais avec des rêves, je me remplissais. Au cours de tes voyages, je n'ai jamais vu un Pokémon dormir autant. C'était un énorme Pokémon tout au nord. Au nord, c'était les Gorons. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Eh, regarde ce que j'ai pêché. Je peux te dire que ça démonte des culs, le combo œil composé, Poudre Dodo et Devoref, ça démonte des culs. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Et vu qu'il n'y a plus les talents, dans cet opus, qui m'emmerde un peu, le combat risque d'être compliqué. Je demande qui va mourir le premier, hein. C'est pour ça que de toute manière je préfère les Pokémon de type vol insecte pour une seule raison. C'est que les vols insectes résistent aux Pokémon combat alors que les vols normaux, bah ils prennent des dégâts normaux donc ils résistent pas donc ils peuvent pas tanker un type combat. C'est pour ça aussi que je préfère les Pokémon insectes vol. Ou insectes, ou ce que tu veux, du moment qu'ils sont volants et insectes, autre chose. C'est pour ça que j'aime pas en général prendre les roues cool ou tous les types vols normaux que t'as en début de jeu. C'est mieux de prendre un des insectes qui évolue en un truc volant. Beaucoup mieux pour tanker les types combat. Tu connais tes secrets de tranchage a été dégradé par un maître d'armes pour couper les arbustes. J'ai vu des Pokémon transporter des gens sur l'eau. Mon Léviator pourra faire ça plus tard à mon avis. Contre les jeunes me maintiennent en forme. Ou tu seras ramassé à la petite cuillère. Après que j'ai démonté ta mon équipe. Oh un Ponyta, ça tombe bien, j'ai qui? J'ai un Rakayou. C'est parfait. C'est pas très efficace, mais je prends cher avec un Flamèche. Bon, en même temps, j'ai pas beaucoup de défense P, mais... Quand même. Ah bon, une défaite, ça te rajeunit, putain. On verra un Pokémon costaud. Hein. C'est plus utile. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Un Sableye, hein. Bon, bah, moi.
rien dire, je vais envoyer mon type O, mais mon type O a pas de type O, donc... Donc lui d'envoyer Ortil, mais s'il me sort une attaque sol, je vais avoir un peu mal, hein. Darmenin. Bon, tu me rends mes PV, mec, hein. Désolé, mais bon. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. J'ai envie de vous avoir connu. Me remerciez pas, c'était facile. Oh, une pépite, cool. Et du fric. Encore et toujours du fric. Vive le fric. Vegan fric. Ah, tu sais, le Go Park de Parbani, on y trouve pas le Pokémon rare. Mon papa est mort, on trouve le Go Park. Bah, il est génial. Bah, je m'en fous du Go Park, je joue pas à Pokémon Go, donc... ça me sert à rien. Le Capitaine était tout palo. Pareil que beaucoup de gens sont sujets au mal de mer. Ouais, alors mec, t'es un capitaine de bateau, mais t'as le mal de mer. T'as mal choisi ton métier, je crois, mec. Le mec, c'est un capitaine de bateau, mais il a le mal de mer. Eh ouais, Bolara! Le capitaine de bateau est juste en haut de ses écailles, il faut que tu ailles le voir, il peut tenter une technique secrète. Ok, à plus, Steven. Bonne journée. Mais même s'il est pas au mieux de sa forme, il a le mal de mer, le pauvre. Je vais tenter un petit combat avant d'aller voir Capitaine, sort de... Ça fait un bail, j'aimerais voir ce que te donne ton équipe. Allez, ramène-toi que je te défonce! Oh, alors déjà, t'as choisi le mauvais Pokémon. Déjà, j'ai déjà le bon premier Pokémon pour te massacrer la gueule. Oh putain, j'ai de sable. Ah putain, déjà que j'ai pas beaucoup de précision avec jet de pierre. 90 de précision, je sais pas combien de ça baisse, mais... Ah, je me suis pas raté. Ouh, il encaisse bien. On va faire une charge. Ah, bien sûr, il a évité l'attaque, hein. Ouais, bien sûr. Charge, ça a quand même 100% de précision, hein. Je me suis pris qu'un seul jet de sable, hein. Ah putain, encore j'ai de sable. Déjà que je touchais pas beaucoup, mais alors là... Ah si, ça a touché, ok, bon bah... Cool alors. Ah bah oui, changer de Pokémon. Vas-y, Reptensé. Va faire cuire cette petite herbe de jardin. Allez, en plus c'est brûlé. Pouah. Le monsieur il fait mal avec Acide. Ah, en plus coup critique, allez, au revoir. Bon là il va me sortir son Evoli. Ah oui, changer de Pokémon, bien sûr, j'aurais eu Pikachu, hein. Va te prendre un petit coup critique dans la tronche. Ouh, ça l'a pas one-shot, GG. GG mec, tu t'es pas fait one shot. T'as une bonne défense. Et en plus de me faire mon level 22. Du moins 23. Ah oui, d'accord, il a une bonne défense quand même. Bon,
Bon, j'ai une attaque speed de mer, c'est pour ça que Picker Sprint est la technique la plus puissante que je peux avoir. Vu que ça tape sur le physique et pas sur le spécial, contrairement au tonnerre. Yalucine, t'as grave progressé, je suis fier de toi. Maintenant, fonce voir Akaten pour aller apprendre la technique secrète. Allez, ciao! Je suis pas bien. Vous frottez le dos du capitaine. C'est bon, ça va aller. Merci, jeune mou, ça va beaucoup mieux. Mais le savoir, toi aussi, tu n'as pas une technique secrète. Pas de problème, voyons cela. Oh, je suis désolé pour ton Pikachu, mais une technique secrète ne peut être apprise que par les humains. Ah, ok, d'accord. C'est plus les Pokémon qui apprennent ça, c'est les humains. Donc, en gros, c'est moi qui ai déplacé les grands rochers. Ma petite dresseuse fragile, hein, qui a des cure-dents à la place des bras, elle va déplacer les rochers. Elle va apprendre surf aussi. Quoi, tu tiens absolument à l'apprendre? Bah, ça alors, c'est la première fois que je rencontre un Pokémon qui veut apprendre une technique secrète. Et pourtant, j'en ai vu du pays. Que d'ardeur, très bien. Dans ce cas, je vais l'enseigner ma technique secrète. Mais non, mais apprends-moi, ça me cachait une place dans mon inventaire. Alors, viens par ici. Mais non, non, apprends-la à moi. Oh, Pokémon, regarde bien comment je fais. Banzai! Non, un petit bonhomme, ce qui a vraiment retenu la leçon. Il ira loin, ton Pikachu. Maintenant, je vais enseigner trois choses pour abattre les arbustes qui te partent le chemin. Je reste ceux qui se trouvent sur Akermin-sur-Mer. Le soleil va lever les rangs. Bon, on sera peut-être un jour à Akermin-sur-Mer. Ah non, en gros, ça remplace pas, non, en fait. Il apprend les techniques secrètes, mais ça compte pas comme une technique. Ah, cool, alors. Bon, bah, j'ai rien dit, alors. Ça passe. Ah non, mais j'ai eu peur, moi, pendant 2 secondes. Mais merde, mais non, mais moi j'ai besoin de toutes les techniques à mon Pikachu. Et j'éclaire si utile. Quand je vais essayer de capturer des... Ah non. Si, pour capturer les légendaires, pour les faire chier. Et pour faire chier n'importe quel Pokémon de la ligue, hein. Mais non, je voulais pas retourner au lit. J'ai assez dormi pour aujourd'hui. Il reste encore qui dans le chat à part Maître C? Juste pour savoir. Vu que ça parle pas beaucoup. Il est quand même beau le jeu, hein. Si ce jeu est aussi beau alors que c'est même pas un vrai Pokémon, t'imagines même pas celui quand il va sortir ce suite, c'est le vrai Pokémon RPG, à quel point il va être beau. J'imagine même pas, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Le vrai Pokémon RPG qui est censé sortir sur Switch, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Tiens, elle n'était pas là tout à l'heure, elle. Mince alors. Attends, mais elle me dit quelque chose? J'ai tellement concentré sur mon S5 que j'ai pas remarqué que le bateau avait pris le large. Mais c'est terrible! Elle me rappelle une meuf dans Soleil et Lune, elle. Je pense que j'ai resté un moment. La mère d'un côté est si belle, j'adore. Je sens l'inspiration arrière, c'est peut-être un tournant dans mon art. Le début de la période bleue d'eau est là. Ouais, c'est la meuf qui est dans Soleil et Lune, ça! Ça, j'en suis sûr, c'est la meuf de Soleil et Lune, ça. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et champion en air. L'arène de Akermin-sur-Mer est juste ici. Si tu atteins l'entrée, il te faudra trancher le tronc de certains bus qui t'empêchent d'avancer. Ouais, ton petit Pikachu s'y connaît déjà en bûcheronnage. On va essayer de trancher là pour voir.
Est-ce qu'il a l'évitation ou pas? Est-ce qu'il a l'évitation ou pas? Ah, tu es ultra son. Allez, concis. Mais justement, j'avais un doute. Tu sais, vu qu'il vole, tu sais, je me méfie moi avec Pokémon. Mais je sais qu'il n'y a pas de talent, ça me fait chier parce que ça me permet pas de faire mon combo ultime avec Papillusion. Et Papillusion avec est composé poudre dodo et dévore rêve, je démontais les gens. Et je peux plus le faire le combo ultime là. Car poudre dodo a trop de chances de rater vu que j'ai pas de chance. Hein. Vu le nombre de fois que je me loupe avec. Avec jet de pierre qui a 90 de précision pourtant. Là j'ai que 10% de chance de me louper, je me loupe souvent. Augmente ta défense P, vas-y, je t'en prie, mec. Mais j'attaque sur le physique, donc. Oh! Oh oui, je suis protégé de destruction! Oh, oh, oh! Ah! Allez, je viens de mettre break une explosion! Oh, oh, oh! Oh, génial! Bah, allons! Allez, voilà, ça c'est fait. Merci, tunnel, hein. Bah tiens, Courgier, est-ce que t'as des idées à donner à mes Pokémon? Des surnoms Pokémon, tiens. Alors, si t'as des idées pour un Rakaillou, un Reptancel, un Magikarp et un Ortide, t'as des idées de noms à la con à leur donner, et s'ils me plaisent, je suis preneur. Ah oui, j'ai échangé mon Rattata contre le Rattata d'Alola. Mais j'ai pas changé mon Rakaillou contre un Rakaillou d'Alola. Artili, Trixol. Ah, il a double pied. Bah. Moi j'ai appelé mon Pikachu Pika HD. Faut voir que le jeu est en HD. Et c'est bien, c'est que comme le jeu bouge pas trop, même avec la queue de merde qui me permet pas de faire du 700 AP, le jeu reste beau sur le live. Ah putain, un coup critique ta mère. J'espère que je le one shot. Parce que ça sert à rien voir d'avoir des doublons. Bon, on va aller soigner mon joli Rakaillou, hein. Mais j'aime bien si on peut faire des échanges, parce que j'aimerais bien échanger mon Rakaillou contre un autre Rakaillou. Pour que je puisse avoir un Grelem à la fin, quand même. Ou sinon, j'ai trop obligé de prendre le Rakaillou d'Alola pour avoir un Grelem qui m'emmerde un peu. Pas moyen de faire des échanges.